Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette d'un velouté de brocoli aux amandes. Pour cette recette, je chauffe 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une casserole. J'y ajoute un oignon coupé en dés. Dès qu'il commence à devenir translucide, j'ajoute 2 gousses d'ail hachées, une carotte coupée en dés. Je les fais revenir une minute avant d'ajouter 125 g de pommes de terre coupées en cubes, et 400 g de brocoli coupé en fleurettes. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Et j'ajoute 20 g d'amandes effilées. Pour cette recette, j'ai choisi un lait d'amande à 2% sucré. Je verse 1 demi-litre de ce lait. Je porte à ébullition, puis je laisse cuire à feu moyen en couvrant partiellement pendant une quinzaine de minutes. Mes légumes sont tendres, j'arrête la cuisson. Je verse encore 20 cl de lait. Je mixe cette préparation pour obtenir une texture veloutée à l'aspect satiné. Ajustez l'assaisonnement et la consistance si besoin. Dégustez bien chaud avec des croûtons et un filet d'huile d'olive. Bon appétit.